Salut. Aujourd'hui, j'ai décidé de visiter les rues de Korimka. Je suis ici. Et dans ce secteur-là, je vois un jardin, un coin à se détendre. Les cafés sont fermés, ça s'ouvre le soir. Voilà, après avoir coupé le carême. C'est rue Nigeria. Rue Nigeria, rue Gabon. Rue Gabon, rue Nigeria. Vous voyez? Ça montre que ils pensent aussi à nous. Une ville qui n'est pas. Donc je marche comme ça sur la route, la rue nigériane. Voici ça. Donc comme ça, je vais chercher aussi d'autres rues. Je suis à la recherche d'autres rues. Ça ne montre pas qu'ils sont, ils sont racistes. Hein? Parce que moi, dans mon village ou même dans ma ville, je n'ai pas encore vu une rue qui s'appelle Korimka. Mais ici quand même, je vois. Bon, je passe à gauche ici. Au lieu, je suis à la recherche du nom des rues d'Afrique subsaharienne. Voilà. Ici, je pense que c'est la rue sénégalaise. Vous voyez ça? La rue sénégalaise. Avec la rue Sénégal. Sénégal, voici ça. Aujourd'hui, je suis à la recherche des rues de l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'il y a d'autres qui disent que ceux-là, ils sont racistes. Maintenant, le problème est quoi? Parce que ici, là, je pense qu'au Maroc, il y a trois catégories des arrivées. Pour moi, quoi. D'autres sont venus par des études. D'autres sont venus juste pour venir ici. Et d'autres sont venus juste, ils n'ont rien, ils sont venus en cachette illégalement. Donc, ceux qui sont venus illégalement, ils ne sont même pas venus avec une pièce. Du coup, la vie de ceux qui sont venus sans papier, c'est un peu compliqué par rapport aux gens qui sont venus avec un passeport. Donc comme dans le message, un monsieur sénégalais qui a commenté en disant que les noirs souffrent ici, d'autres partent à la mendicité, d'autres aussi à la prostitution. Je crois bien que ceux qui sont venus avec leur papier, si ils ont décidé de le faire, ils peuvent le faire. Sur ce côté-là, c'est là où là, ça finit. Là, c'est la rue du Sénégal. La rue du Sénégal. Donc, comme ça, je suis à la recherche d'une rue de la Côte d'Ivoire. Si je peux voir ça. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de venir chercher les rues, le nom des rues subsahariennes dans le quartier. Je suis toujours du côté du Nigeria. C'est à avenue Kenya. Avenue Kenya. Voici ça, au 3. Ah, ils ont pensé quand même à nous, hein. Je vois la Guinée ici. Rue Guinée. Mais où est la Côte d'Ivoire ici là? Depuis, je cherche la Côte d'Ivoire, il ne trouve pas. Régine. Et puis, ce qui est bien ici là, chaque secteur, quand il passe, les enfants sont en train de jouer ballon. Partout, les enfants sont en train de jouer ballon. Et le amusement, c'est ballon, hein? Non. Les enfants, ils m'ont demandé de Sénégal et du Côte d'Ivoire. Ils sont venus me saluer. Derrière moi là-bas.
Je cherche toujours la Côte d'Ivoire. Rue Côte d'Ivoire que je cherche encore. J'espère que je vais trouver avant de rentrer à la maison. Sur ce côté, c'est Djibouti. Mais les enfants là ont mis les choses dedans. Djibouti. Donc tous les jours, je suis en train de chercher la rue de la Côte d'Ivoire. Donc suivez-moi. Un autre quartier ici. Arrivé à la maison, que je vais mettre la connexion, je vais pouvoir chercher le nom du quartier. Donc aujourd'hui, je décide de chercher le nom des villes, le nom des pays, pardon. Le quartier chic. On me fait pas là pour ça. Dieu merci, il y a beaucoup de quartiers chic ici. Sur cette rue là, il n'y a pas de plaque. Donc, je vais devant encore voir. Il n'y a rien à faire. Ça aussi me permettre de connaître le nom aussi. Un jour, ça va me servir. Je serai là. Quand je serai vieux, je vais regarder et je vais me rappeler du passé quand j'étais au Maroc. C'est intéressant, hein? Le quartier. C'est calme. Ici, c'est pas, ce n'est pas OCP, hein? C'est un autre quartier. Voilà. Voilà, je retrouve côté Égypte. Ça, c'est la rue égyptienne. Avenue, pardon. Avenue égyptienne. Merci, Koribga. Voici l'avenue égyptienne. Tout droit. Avenue égyptienne. Namibie, la rue namibienne, tout droit. Je cherche rue de Côte d'Ivoire, je ne trouve pas. Je ne retrouve pas la rue Côte d'Ivoire. Je suis triste. Je n'ai pas retrouvé pour la Côte d'Ivoire, mais je sais que ça doit être ici. Mais je ne sais pas au juste où se trouve. Un vent fort. Partout où vous partez, vous voyez que c'est le même alignement. Quand même, Attends, je vais voir sur ce côté. Oh, ici, c'est l'Espagne. Ah, c'est rue Espagne. Rue d'Espagne. Oh. Rue d'Espagne. Attends, m'approcher. Rue d'Espagne. Ah, c'est rue d'Espagne. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu trouver la rue Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. C'est la Côte d'Ivoire qui est là.
voir. Ici c'est la tortue. Donc j'ai fini ma vidéo. Là je vais à la maison. La tortue. Ça c'est dans le jardin de... La fois dernière j'étais ici mais je n'ai pas vu ça. Ouais. Ce plan de construction, c'est comme... J'ai vu des constructions comme ça dans une vidéo de Moscou. Le même bâtiment comme ça. Le même bâtiment. Donc, si vous avez aimé la vidéo, veuillez aimer la vidéo. Abonnez-vous, partagez. Aimez la vidéo, hein. Il y a des gens qui mettent un like. Ils ne savent pas qu'est-ce que je leur fais. Parce que moi, sincèrement, je n'ai jamais mis dislike. Dislike dans une vidéo. Je ne pense pas le faire. L'hippopotame. Maman et papa. Tam et papa et son enfant. Waouh! Tout cela, la guignement. Donc, à la prochaine vidéo, pour vous qui avez regardé jusqu'à arriver ici. J'aime bien ce bâtiment. Oh, voici le crocodile qui est là-bas. Ici, c'est le crocodile. Il faut que je vous montre le crocodile là d'abord avant de close. C'est le crocodile. Ouais. Réalisé par les deux. Donc c'est ce, à la prochaine vidéo.